Pierre Gentil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pierre Gentil, vous êtes avocat, mais on vous connaît aussi en tant que chroniqueur, notamment sur CNews, sur Sud Radio et accessoirement sur TPMP parfois. Tout d'abord, Pierre Gentil, comme le veut la tradition, est-ce que vous pourriez vous présenter? Eh bien, je m'appelle Pierre Gentil, je suis avocat au barreau de Paris depuis maintenant 6 ans. Oui, c'est ça, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, le temps passe. Je suis également enseignant à la faculté, enseignant en droit, et j'ai eu des activités de chroniqueur, comme on dit effectivement à la télévision, même si c'est pas un métier. Et puis au demeurant aussi des activités politiques, puisque je me suis présenté aux élections législatives dernières. Pour quel parti ? Pour le Rassemblement National, bien sûr. Pierre Gentil, justement, on va faire appel à vos connaissances en droit, puisqu'il y a une thématique qui ressort de plus en plus ces derniers temps, d'autant plus, c'est la thématique de l'état de droit. Est-ce qu'en premier lieu, vous pourriez nous définir ce qu'est l'état de droit? Qu'est-ce qu'on entend par état de droit en France? Déjà, ça fait deux questions, et c'est pas la même chose. Parce qu'entre ce qu'on entend par état de droit et ce qu'est l'état de droit, c'est compliqué. Alors, ça suppose, déjà, je vais répondre à votre question, qu'est-ce que l'état de droit, on va dire, de manière un peu scolaire? L'état de droit, c'est simplement de considérer que l'état est limité par les règles de droit qui sont posées au préalable. En un sens, l'état ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est nécessairement contraint et limité. Au fond, le mot qui fait consensus dans toutes les traditions juridiques européennes, quand on évoque l'état de droit, qu'il s'agisse de la rule of law ou du Rechtsstaat, c'est l'idée de limite. Voilà, il faut poser une limite. Alors, la grande difficulté, on va y venir, c'est qui pose cette limite et comment se matérialise-t-elle cette limite? Maintenant, ce qu'on entend par état de droit aujourd'hui en France et dans l'Union européenne, vous conviendrez que c'est un petit peu différent. Puisque tantôt on va vous dire que l'état de droit c'est le respect de la règle posée, ce que je viens de vous dire. Tantôt on vous dira que le respect de l'état de droit c'est le respect des minorités, c'est autre chose. Tantôt on vous dira que l'état de droit c'est la préservation contre l'arbitraire, contre le despotisme. Et tantôt on vous dira qu'il s'agit de la préservation des droits et libertés fondamentaux. Voilà. Et toute la difficulté de cette diversité, si j'ose dire, de définition, tient au fait que l'état de droit, à l'origine de l'origine, si vraiment vous voulez qu'on fasse de l'histoire hein, là-dessus, ce sont deux traditions juridiques très différentes. Si j'ai le temps pour développer, ben, alors, au départ, l'état de droit naît classiquement en Angleterre. C'est au XIIIe siècle. Le roi Jean sans Terre est défait en France à la bataille de Bouvines. Voilà, les Français ont mis une sacrée dérouillée, il faut le dire, à Bouvines en 1214, si mémoire est bonne, aux Anglais. Et le roi Jean sans Terre est obligé de repartir en Angleterre et il décide de lever des impôts pour lever une nouvelle armée. Seulement, voilà, les barons qui en ont assez de l'arbitraire royal et de ses impôts excessifs, c'est dire si l'histoire se répète, décident d'assiéger Londres et de contraindre le roi. Et je vais très vite de manière générale, mais l'idée qui est posée par les barons à travers un texte que l'on appelle la Magna Carta est de dire que désormais, l'arbitraire royal, c'est fini. Le roi devra être limité par des principes édictés, en l'occurrence ici dans la Grande Charte, la Magna Carta, qui contient par ailleurs des dispositions alors qui protègent les barons, après ce sera élargi avec d'autres textes, notamment la Bill of Rights, pour les citoyens, mais de préserver contre l'arbitraire, contre la détention, notamment, contre la privation de liberté, contre la spoliation, vous voyez. Donc au départ, c'est une, je vais utiliser un gros mot, c'est un peu une révolution libérale. En tout cas, c'est une petite révolution, et c'est de dire, voilà, le roi ne peut pas tout faire, d'accord? Et il doit respecter les droits individuels de ses sujets. Si je continue, si je pousse un petit peu, cette tradition anglaise va être mûrie, notamment au XVIIIe, au XIXe siècle, par de grands juristes, je pense notamment à Dicey, et qui va ajouter un deuxième élément à cette théorie de l'état de droit. Il nous dit, voilà, l'état de droit, c'est à la fois la préservation contre l'arbitraire royal, c'est le respect des droits individuels, mais c'est aussi un rôle donné au juge, un rôle important. Et le juge, à côté du Parlement, sans empiéter sur le Parlement étant celui qui fait la loi, le juge va également découvrir, on dit poliment, du droit, d'accord? Et découvrir un droit qui est là, bien sûr, pour protéger les libertés individuelles des citoyens.
Donc ça, c'est la tradition anglo-saxonne, si j'ose dire. Vous voyez? Donc si je résume, préservation contre l'arbitraire royal et protection des droits et libertés individuelles des citoyens à la fois par le Parlement et à la fois par le juge. Ça, c'est ce qu'on appelle la rule of law. Il y a une deuxième tradition qui est tout à fait différente, et c'est de là d'où vient le malentendu, qu'on appelle, c'est une tradition germanique, qu'on appelle le Reichstag, qui naît au XIXe siècle, au moment où les Allemands tardivement construisent leur État. Hein. Vous savez que l'État allemand a mis, un peu comme l'Italie au fond, un certain temps à se... D'ailleurs, c'est la même période, le XIXe siècle, où l'État s'affermit. Le XIXe siècle, c'est un peu le siècle de l'État, d'ailleurs. Et les Allemands, les deux grands juristes allemands, travaillent sur ce que pourrait être le rôle et en même temps la force aussi de l'État. Et c'est comme ça que naît la théorie dite du Reichstag. Pour la faire très simple, elle se résume d'une seule phrase, c'est celle que je vous ai donnée au départ, parce que c'est la définition la plus courante de l'État de droit, c'est que la puissance et la limite de l'État, son fondement, sa légitimité et sa limite, donc, c'est le droit. Donc, quand l'État édicte des règles de droit, c'est le fondement de sa puissance. Demain, vous êtes verbalisé, là, vous sortez dans la rue, vous êtes verbalisé parce que vous n'avez pas à traverser, vous n'avez pas respecté le passage piéton ou le feu rouge. Vous aurez une amende, mais cette amende, elle ne se fait pas selon le bon vouloir de l'agent de police. Elle se fait toujours, vous regardez le PV, vu l'article des machins, etc., etc. Donc, c'est toujours, si l'État intervient, la police, c'est le bras armé de l'État, c'est toujours sur le fondement d'une règle de droit. Et là, on peut dire, oui, on se rapproche un peu de la théorie anglaise parce que ce n'est pas selon le bon vouloir du souverain, selon le bon vouloir de l'État. C'est selon une règle de droit posée au préalable. Vous voyez? C'est donc à la fois le fondement de sa puissance, mais ce que nous disent les Allemands, c'est aussi sa limite. Je caricature volontairement, parce que c'est plus compliqué, d'autant que les Allemands ont découvert ça, il y avait une version assez autoritaire de l'État de droit. Au départ, l'État de droit, cette théorie-là du Reichstag, elle n'est pas née dans une démocratie. Elle est née dans le Reich, le deuxième Reich. C'est pour ça qu'il y avait un deuxième versant, c'était de dire que l'État, bien sûr que l'État est limité, il s'auto-limite par le droit parce qu'il ne va pas défaire les propres règles qui ont fait sa puissance. Sinon, il nuirait à sa crédibilité. Ce que de grands juristes comme Maurice Oriot ou Léon Duguy ont fortement critiqué en disant les Allemands, c'est Prussien encore, c'est Teuton, ils nous prennent pour des idiots. Évidemment que l'État, il peut défaire des règles de droit. Et c'est pour ça que d'autres juristes vont inventer ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité, le fait de faire toujours conformer une norme supérieure par rapport à une norme inférieure et contrôler l'action publique, contrôler l'action de l'État par, et c'est ça le deuxième versant, par le juge. Et c'est ça la deuxième partie de la théorie allemande ou continentale, c'est que le droit posé, il est respecté par l'État, mais il est contrôlé par le juge. Donc voilà, pour répondre à la question du départ, qui contrôle la limite ? C'est le juge. C'est le juge constitutionnel qui contrôle la loi à la Constitution. C'est le juge administratif qui contrôle la légalité d'un décret, d'un acte administratif qui est posé par une autorité, qu'il s'agisse du préfet ou du Premier ministre. Et cela selon un ordre hiérarchisé tel qu'il a été défini par Hans Kelsen. Je ne vais pas développer plus, mais l'état de droit s'articule au moyen de normes juridiques définies au préalable, contrôlées par le juge. Voilà. Toute la difficulté naît à partir du moment où les juges ne font plus du droit, mais de la politique. Et c'est là où on en arrive, à la dénaturation de l'état de droit. Et comment est-ce qu'on y en arrive? Comment est-ce qu'on arrive à cela? Après 1945, la philosophie générale qui règne en Europe, c'est de sanctuariser les droits et libertés individuelles. Seulement, voilà. On fait du droit sur des éléments objectifs. Vous voyez, je donne toujours cet exemple. Là, les spectateurs ne voient pas, mais il y a une table. Cette table, elle a une certaine hauteur, une certaine épaisseur. Bon, mais il y a peut-être une directive européenne, ou une loi qui nous dit, pas une loi, mais un décret qui nous dit, cette table, elle doit être de telle taille, etc. En somme, une norme objective. Vous voyez? La difficulté naît à partir du moment où les règles qui sont entre les mains des juges ne sont pas des règles objectives.
Il y a toujours une petite part de subjectivité, bien sûr, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais elles sont si peu objectives qu'elles donnent au juge une marge d'interprétation politique. Si on donne au juge des textes aussi flous que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À partir de cet article, on a sorti une trentaine de principes juridiques qui s'appliquent à des cas concrets. Ce texte a une dimension philosophique. Je ne dis pas qu'il n'a pas de portée, je dis simplement que l'essence est évidemment politique. Si on diffère, si on ne précise pas suffisamment les textes, qu'il s'agisse de la loi ou ici de certains articles de préambule de constitution ou de déclaration, alors que va-t-il se passer? Si le Parlement renonce à trancher la question politique et s'en arrête à une proclamation floue, vague, l'élément politique n'est pas absent, il est simplement différé, et c'est le juge qui, lui, va faire de la politique sur la base de textes flous qu'il va pouvoir dénaturer. Et là-dessus, énormément de jurisprudence qui le montre. On cite souvent la jurisprudence Héroux, il y en a plein d'autres. Et pas simplement sur les questions d'immigration, sur... vous voyez, par exemple, je vais peut-être vous surprendre, parce que je suis pas spécialement connu pour être quelqu'un de gauche. Le Conseil constitutionnel a annulé une super taxation de François Hollande. Souvenez-vous, c'était la taxe 75%. Parce que cette... alors, j'ai plus toute la décision en tête, mais parce que cette taxe était contraire au principe d'égalité devant l'impôt. Ben, voyez, pour moi, c'est pas le rôle du Conseil constitutionnel de faire ça. Je considère que, même si je ne suis pas d'accord, mais absolument pas d'accord avec cette taxe, je connais pas tout le détail, mais je pense que je serais pas totalement d'accord, la souveraineté de la décision politique ici, elle ne doit pas être entre les mains des juges. Elle est entre les mains du Parlement. Parce que c'est une question politique de savoir si l'impôt est excessif à un moment ou non. Alors certains s'en réjouiront, diront c'est formidable, on a évité des excès. Très bien, mais ça ne résout pas le fond du sujet. Le fond du sujet est qui décide la politique. Je pense, dans la tradition française, qui est au fond une tradition assez légicentriste, que celui qui doit faire la politique, c'est le Parlement ou le gouvernement. Point. Alors justement, c'est là où j'en aille. C'est cette célèbre phrase de Michel Debray, il faut à tout prix éviter le gouvernement des juges. Oui. Est-ce qu'in fine, on n'est pas arrivé justement à ce gouvernement des juges avec le renforcement des pouvoirs du Conseil constitutionnel au fil du temps? Encore une fois, il y a deux questions dans votre question. Moi, je suis assez mal à l'aise avec le terme gouvernement des juges, je vais vous expliquer pourquoi. Le gouvernement des juges, je pense que nous ne sommes pas dans un gouvernement des juges à proprement parler. Le gouvernement des juges supposerait que les juges fasse la loi. Alors vous allez me dire, en annulant la loi, de fait, ils font du droit. C'est vrai. Et parfois juste en supprimant certaines dispositions. Absolument, mais ils le font de manière négative, et non pas de manière positive, ce qui est excessif. Mais ça ne suffit pas à qualifier le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, cet ensemble de gouvernement des juges. Vous savez, il y a une formule du doyen Vedel, qui était un très très grand juriste, je crois que c'était le doyen Vedel d'ailleurs qui disait cela. Il écrivait à propos du Conseil constitutionnel, qui a donc la possibilité d'écarter une loi si elle n'est pas conforme à la Constitution. Le doyen Vedel écrivait « Le Conseil constitutionnel manie la gomme, mais pas le crayon. » Vous voyez? Il ne peut qu'effacer. Alors bien sûr, en effaçant, c'est un pouvoir énorme, puisqu'il se place par-dessus la souveraineté du Parlement. Et outre cette question, on peut s'interroger sur la légitimité de 9 juges non élus à censurer, selon l'analyse qu'ils ont de la Constitution, encore une fois, une décision politique prise par le Parlement, et même peut-être le Parlement à son unanimité. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 9 juges qui peuvent censurer une loi, quand bien même celle-ci serait-elle votée à l'unanimité du Parlement. Alors, au nom du droit, nous dit-on. Mais en réalité, ce n'est pas que au nom du droit. Et d'ailleurs, je vous l'annonce, cette question-là, puisque un agenda parlementaire a été annoncé par le gouvernement, se posera mécaniquement lors du premier trimestre ou premier semestre 2025, au moment où la loi immigration arrivera
devant le Conseil constitutionnel, puisqu'il y aura forcément une saisine par 60 députés ou 60 sénateurs. Et qui sera, voilà. Et qui sera potentiellement censuré. Tout dépend. Tout dépend, les, encore une fois, quelles sont les dispositions qui sont contenues. Mais, si vous voulez, on peut faire un peu de prospective. Je peux vous dire aujourd'hui que si la loi immigration, qui est adoptée par le Parlement en 2025, est une reprise de la loi telle que censurée par le Conseil constitutionnel pour des questions de forme, nous dit-on, les cavaliers législatifs, je vais pas aller trop loin, mais là, le Conseil se prononcera au fond. Si on reprend des mesures telles que suppression des allocations sociales pour les étrangers qui ne sont pas résidents depuis un certain nombre d'années, quotas d'immigration pour le Parlement, en somme des mesures qui sont des mesures ambitieuses en matière d'immigration, le Conseil constitutionnel, et je vous parle même pas de supprimer le droit du sol, bon ça évidemment ils le feront jamais, mais c'est dans le programme du Rassemblement National, et comme le Rassemblement National a une certaine influence aujourd'hui, je peux vous dire que le Conseil constitutionnel, sur la base d'une vieille jurisprudence qui est constante depuis 1993, date à laquelle le Conseil a rendu une décision sous la présidence de Robert Badinter, président à l'époque, donc le Conseil constitutionnel censurera ces dispositions parce qu'elles portent atteinte à des principes tels que, voyez, on en revient toujours pareil, principe d'égalité, d'égalité d'accès aux prestations. Et là, vous voyez toute la dimension politique, tout le subterfuge qu'il peut y avoir à prendre comme ça des textes et à en sortir des principes concrets sur des situations qui normalement ne devraient pas y faire application. Donc oui, si on revient sur le même texte, tout le texte ne sera pas censuré, bien sûr, mais la partie la plus ambitieuse et au fond l'essentiel, je crains, le sera. Surtout si c'est Laurent Fabius qui est président du Conseil, gardez en tête que l'an prochain, le président du Conseil constitutionnel sera remplacé. Et potentiellement par Dubon Moretti, notre ancien ministre de la Justice. Bah, justement, oui. J'aimerais qu'on aborde cette question avant de poursuivre sur l'état de droit. Qu'est-ce que vous pensez de la composition de ce Conseil constitutionnel qui est en majorité, il faut être honnête, composé d'anciens hommes ou femmes politiques, d'anciens ministres et autres, quelques anciens conseillers d'État, donc qui restent toujours dans la sphère politique. Donc, il y a très peu, en réalité, de professeurs de droit, par exemple, ou de personnes maîtrisant même le droit, en soi. Qu'est-ce que vous pensez de cette composition, qui est éminemment politique? Alors, c'est vrai que, donc, nous avons 9 juges au Conseil constitutionnel, plus les anciens présidents du Conseil, mais il me semble que François Hollande n'y siège pas, et de toute manière, il est parlementaire, donc ce ne serait pas possible. Nicolas Sarkozy non plus a renoncé à y siéger. Et avant, nous n'avons plus de président de la République. Donc, 9 membres. On peut douter de la compétence juridique de personnalités comme l'ancienne ministre Jacqueline Gourault. C'est vrai. Ancienne ministre du Travail, ancienne élue pendant 20 ans. Alors, je veux bien que quand on soit élu au conseil régional ou maire, on a, c'est vrai, des compétences. Mais peut-être pas au niveau attendu au Conseil constitutionnel. Vous évoquiez les professeurs de droit. Il se trouve que j'ai travaillé sur la composition du Conseil constitutionnel depuis 1958 et on note une tendance assez lourde à l'affaiblissement, justement, à la perte de représentativité, justement, des professeurs de droit. Il y avait plus de professeurs de droit jusque dans les années 70, 80, même je crois 90, et progressivement, tout cela s'est perdu au profit des hauts fonctionnaires. Classiquement, aujourd'hui, au Conseil constitutionnel, vous avez 3 types de profils. D'anciens parlementaires, d'anciens hauts fonctionnaires et d'anciens magistrats. Une qui a beaucoup fait parler et qui n'est plus au Conseil constitutionnel, c'est évidemment Nicole Maestrachi, qui était une ancienne figure du syndicat de la magistrature. Bon. En revanche, vous voyez, on a des politiques qui, eux, ont une vraie compétence, dont je ne remets pas en cause la compétence. Le président du Conseil constitutionnel lui-même. Je ne remets pas en cause la compétence juridique du président du Conseil, Laurent Fabius. Je pense que Laurent Fabius est un bon juriste. Je pense que Laurent Fabius a les compétences. Mais c'est là où on fait une erreur. La question du Conseil n'est pas une question de compétence.
ou plutôt ce n'est pas qu'une question de compétence. La question de la compétence, c'est une question au fond neutre, c'est de savoir, vous voyez, la compétence, je vous demande si vous êtes compétent pour soulever cette table. Est-ce que vous êtes compétent pour soulever cette table? Et votre gabarit, oui, vous l'êtes. On vous voit pas, mais voilà, vous l'êtes. La question politique n'est pas qu'une question de compétence. C'est une question d'avis. À la compétence, on dira, pouvez-vous soulever cette table? À la politique, on vous dira, comment faut-il ou faut-il soulever cette table? Vous voyez, c'est pas du tout la même, ce n'est pas du tout la même nature. Donc, au fond, la question de savoir si Laurent Fabius est compétent, je vais pas vous dire que je m'en fiche. La question est de savoir quel est l'avis politique de Monsieur Laurent Fabius, puisque nous raisonnons encore une fois sur des textes qui sont des textes éminemment politiques. Alors là, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on supprime tous les membres politiques et on ne laisse que des magistrats, comme ça se fait par exemple en Allemagne avec la cour de Karlsruhe? Je pense qu'on ne réglera pas non plus le problème. Le cœur nucléaire du problème du Conseil constitutionnel, ce n'est même pas Laurent Fabius. Le cœur, alors il y a un petit peu de ça, mais je pense que vraiment, on passe à côté du sujet si on n'aborde pas la question des textes contenus dans le périmètre du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne juge pas simplement en fonction de la Constitution de 1958, qui est un texte au fond assez objectif, à quelques exceptions près, et notamment par exemple l'article 11. Mais ce sont surtout les textes autour, comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Charte de l'environnement, le préambule de la Constitution de 1946, qui est une proclamation vague de droits sociaux. Ce sont ces textes-là, à portée philosophique et donc à portée politique, qui donnent une dimension au Conseil, qui l'éloigne du droit. Voilà. Le sujet, il est aussi là. Si vous neutralisez les membres du Conseil, déjà, dites-vous toujours que peu importe qui vous avez en face de vous, vous n'aurez pas un robot. Quand bien même cet homme serait président, ancien président de la Cour de cassation ou vice-président du Conseil d'État. On le voit avec le vice-président du Conseil d'État, qui est tout sauf neutre. Non. La question, ce n'est pas simplement l'élément organique, c'est-à-dire les gens qui rendent la décision, mais l'élément matériel, ce sur quoi ils se fondent. C'est donc sur ces deux éléments, mais surtout sur l'élément matériel, sur ces textes, qu'il nous faut effectivement travailler et qu'il nous faut revoir le périmètre. Et pour pas dire le supprimer. Tout à l'heure, avant l'interview, on parlait de Viktor Orban, oui. Qui il y a 2 ans, à peu près, je crois, de souvenir, il y a 2 ans, avait évoqué l'état de droit pour s'opposer à une norme européenne, en invoquant effectivement l'état de droit national. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'Union européenne, avec les normes européennes, est-ce qu'in fine, on ne rajoute pas des strates qui sont supplémentaires et qui, une nouvelle fois, sont au-dessus de la volonté populaire? On parlait tout à l'heure de la volonté populaire. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle strate qui s'est rajoutée et qui contraint une nouvelle fois la volonté souveraine? Alors, par définition, le fait d'appartenir à l'Union européenne pose un cadre européen qui s'impose par-delà le cadre national, constitution mise à part. Mais les directives européennes, les européens, ont une valeur supérieure à celle des lois. Par conséquent, oui, il y a un carcan juridique qui s'impose. Ensuite, le droit européen ne s'applique pas sur tous les domaines de votre vie, sur tous les domaines politiques. Mais de fait, quand il y a un traité européen ou une directive européenne par rapport à une loi hongroise, c'est la directive européenne ou le traité qui va s'appliquer. Donc, de fait, oui. Ensuite, si Viktor Orban veut nous dire que l'état de droit, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce qu'on met dans ce terme, le respect de la norme hongroise posée, à ce moment-là, il faut qu'il pose la question de l'appartenance de son pays à l'Union européenne. Moi, j'aime bien la Hongrie, hein, mais encore une fois, j'ai l'impression que parfois Viktor Orban joue, j'ai beaucoup de sympathie de manière générale hein, pour ces régimes qui sont des régimes illibéraux, mais je trouve que c'est un peu compliqué de vouloir le beurre et l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, d'autant que Viktor Orban a siégé, alors je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais très longtemps avec le PPE, le groupe du bloc central progressiste européen. Donc il y avait un espèce de double discours qui me gênait. Donc si Monsieur Orban veut vraiment, aujourd'hui semble-t-il, je crois que ça a changé, mais s'il veut vraiment remettre en cause l'état de droit européen, à ce moment-là, il faut simplement qu'il regarde les traités, et l'article 2 du traité de Maastricht, qui aujourd'hui est en vigueur, c'est le traité de l'Union européenne, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant, nous dit que c'est vraiment le début. Hein. Article 2, l'Union européenne proclame son attachement, je crois,
aux principes tels que le respect de l'état de droit et notamment les droits des minorités, etc. Parce qu'au fond, c'est ça ce qui le dérange. C'est la question des minorités sexuelles, c'est la question de l'immigration, et c'est aussi la question, j'ose pas dire de la liberté de la presse, mais de la concentration de certains médias. Voilà. C'est une question de souveraineté. Maintenant, si Viktor Orban veut aller jusqu'au bout, il faut qu'il sorte des traités européens. Voilà. Ou alors, il faut qu'il modifie l'étage constitutionnel, puisque la Constitution reste supérieure aux traités européens, pour y mettre tout ce qu'il veut faire passer par-dessus le droit européen. Mais ensuite, voilà, la référence qu'il a à l'état de droit, je pense le piège, parce qu'en réalité, c'est au nom de l'état de droit que l'Union européenne agit pour imposer son agenda migratoire, pour imposer son agenda d'intégration progressivement des droits nationaux dans un carcan européen. Donc je ne suis pas convaincu qu'on puisse combattre le mal par le mal. Si j'ose dire, l'état de droit n'est pas un mal, c'est juste que, comprenez bien ce que j'ai dit. La façon dont on avance aujourd'hui est complètement dénaturée. Aujourd'hui, l'état de droit, ça veut dire respect du droit des minorités contre la souveraineté populaire qui serait par essence fascisante si on la pousse à l'extrême, de manière caricaturale. C'est ça le fond de la pensée. Et c'est pour ça que des instances comme le Conseil constitutionnel, comme les juges européens, se sentent investis d'une mission, parce qu'au fond, derrière toute volonté populaire, il y a Hitler. Voilà, le fond du sujet, le fond, il est là. Et pas ailleurs. Maintenant, j'ai une question un peu particulière. Est-ce que l'état de droit est en danger? Mais je termine, en France, est-ce qu'il est en danger d'un autre point de vue? C'est celui, aujourd'hui, des annonces du gouvernement qui ont été faites en matière de sécurité et de surveillance. Ça, c'est une question qui vient de quelqu'un de la rédaction, qui a horreur d'être surveillé, d'être filmé dans la rue, voilà, qui est un peu parano. Et il y a ce danger-là, selon lui, c'est la critique qu'il a envers les mesures qui vont être prises, d'être fiché, entre guillemets, par le gouvernement, par les forces de sécurité. Il l'est peut-être déjà, mais d'être peut-être surveillé. Même moi aussi, sans doute. Hein. Quels sont les leviers de protection qu'il peut y avoir en tant que citoyen, hormis les QPC, dont on parlait tout à l'heure, dans le Conseil constitutionnel? Quel levier aujourd'hui il y a pour se libérer de ces lois qui peuvent parfois apparaître comme oppressives? Chose qu'on avait vue surtout pendant les Gilets jaunes, où on dénonçait à chaque fois l'oppression étatique. Ou par exemple au moment de la crise sanitaire. Au moment de la crise sanitaire. Les lois qui ont été adoptées et qui étaient à l'évidence totalement disproportionnées au regard de l'objectif à atteindre. On a imposé un pass sanitaire, un pass vaccinal à des gens, alors même qu'on savait très bien que le vaccin ne protégeait pas de la transmission. Quand on y repense, c'est quand même fou, c'est ce qui s'est passé. Et donc on a imposé en fait des mesures. Comment vous dire? Moi, ça ne me dérange pas qu'on restreigne des libertés. C'est par définition, on restreint des libertés tous les jours dès l'instant qu'il y a de la police ou, enfin voilà, vous n'avez pas la liberté de traverser le passage piéton quand le feu est rouge. Voilà, je suis désolé, vous pouvez pas tout faire, c'est comme ça. Parce que on est en société, on cohabite et il y a des impératifs, notamment des impératifs d'ordre public. Là où ça devient problématique, pour moi au fond, c'est quand la mesure de police est disproportionnée au regard de l'objectif à atteindre. Et c'est là où commence le despotisme. Donc, pour répondre à la question que posait votre ami de la rédaction, si demain, une mesure qui venait de la loi, par exemple, sur des questions de passe sanitaire, de restriction de liberté d'aller et venir, justement, toute la supercherie, c'était, jusqu'au Covid, de nous faire croire qu'on avait un conseil constitutionnel qui veillait sur les droits et libertés, etc. Qu'est-ce qu'on a vu au moment de la crise Covid? Que le conseil constitutionnel s'est couché. Il s'est couché pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que, et c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas qu'on est pour ou contre l'état de droit. C'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'état de droit, c'est toujours l'état d'un certain droit. L'état d'une certaine politique. Et au moment du Covid, on a bien vu ce dont il s'agissait. C'était de préserver, je le dis très franchement, pour des raisons électorales. Voilà. Emmanuel Macron, donc. Préserver un certain électorat. Imposer à tout prix un agenda. Il n'y a peut-être pas d'ailleurs que des questions électorales. Et au nom d'une urgence que le politique a lui-même définie, l'urgence sanitaire, de l'importance de vacciner, etc. Urgence devant laquelle le Conseil constitutionnel s'est couché puisqu'il n'a pas contrôlé de la proportionnalité des mesures qui étaient attentatoires aux libertés, évidemment, liberté d'aller venir, d'aller au restaurant, de voir des amis, etc. Parce qu'il a considéré qu'il y avait une urgence. Si demain on revient dans ce cas de figure, ben je ne vais pas être rassurant vis-à-vis de votre ami, puisque le Conseil constitutionnel, s'il s'est couché une fois, il peut se coucher une deuxième fois.
Je pense qu'encore une fois, il faut bien comprendre que ce qu'on a vécu à ce moment-là au moment du Covid doit, un, nous donner deux leçons. Un, l'état de droit, c'est une chimère. C'est une vraie chimère, mais à laquelle on croit, qu'on invoque et qui, au fond, est un terme plus journalistique. C'est nécessairement positif quand on en parle. Alors que, vous voyez, on en a parlé, c'est assez creux, finalement, aujourd'hui. Puisque ça dépend ce qu'on entend ici. Pour eux, c'est protection des minorités, des droits, ce que vous voulez. Hein. Accessoirement, je rappelle que s'agissant du Covid, on a imposé un pass sanitaire, un pass vaccinal. Un an avant, Éric Dupond-Moretti s'était levé en disant « Jamais les détenus ne seront des cobayes pour la vaccination. » Voilà. Voilà. Là, vous avez l'état d'un certain droit et là, vous comprenez le fond du fond de la logique. Mais moi, je pense que le problème ici, c'est pas tout mettre sur le droit. Le problème, c'est le Parlement. C'est que le Parlement a failli. Le Parlement n'aurait jamais dû voter une mesure aussi liberticide. Et d'ailleurs, si... C'est là où, en fait, la responsabilité, vous voyez, je suis assez démocrate, c'est la responsabilité des Français. Les Français ont choisi une chambre composée de macronistes. Ils ont eu une politique macroniste. Voilà. Vous voyez comment est-ce qu'on change? On a toujours la possibilité de changer sur la décision politique en adoptant un autre vote aux prochaines élections. S'il y avait eu, au moment du Covid, une chambre, plutôt Rassemblement National, ou même d'autres partis politiques situés à gauche, par exemple, qui s'étaient opposés aux mesures sanitaires, eh bien, le pass sanitaire et le pass vaccinal n'auraient pas été adoptés. D'ailleurs, les partis que j'ai cités ont voté contre le pass. Donc, en fait, la question ici, c'est une question politique. Ne comptez pas sur le droit pour vous sauver là-dessus. Parce que les juges, on l'a bien vu, se sont couchés devant l'état d'urgence, devant cette situation qu'ils ont considérée comme étant urgente pour eux, de leur point de vue, de leur point de vue politique. Par contre, dès qu'il s'agit de sanctuariser certains droits individuels, de minorités, là, il n'y a pas de problème. Parce que c'est toujours l'état d'un certain droit. Alors, justement, on parle beaucoup d'état de droit là, en l'occurrence. C'est le but. Et on parle surtout de la répression qu'il y a eu, effectivement, aussi parfois des dérives. Mais il y a des zones, ce qu'on appelle aujourd'hui des zones de non-droit, aussi, qui reviennent de plus en plus, où en fait, ces mesures ne sont jamais appliquées. On parlait tout à l'heure du confinement. Le confinement n'était pas appliqué dans énormément de quartiers de France, parce que tout simplement, les mesures n'étaient pas respectées. Et puis voilà. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cette contrainte. C'est quoi cette opposition du coup? L'état de droit se renforce et pourtant il y a des zones. C'est un paradoxe. Mais bien sûr. Mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous pointez. C'est-à-dire que nous n'avons jamais eu en France, je mets de côté les guerres, autant de zones de non-droit et on n'a jamais autant parlé d'état de droit. Voilà. C'est presque un mantra au fond. On invoque quelque chose alors même qu'il y a cette distorsion. Prenons l'exemple encore du Covid, au moment où on est censé appliquer le respect des mesures sanitaires, etc. Il y avait des reportages qui étaient faits en Seine-Saint-Denis dans des quartiers, c'était pas respecté. Et je prends cet exemple, mais on peut prendre des exemples plus simples. Aujourd'hui, voilà, le port de certains signes religieux qui théoriquement est interdit dans l'espace public, on sait très très bien que c'est pas des quartiers, c'est des villes entières qui sont islamisées et qui ne respectent pas les lois de la République française, enfin, les lois françaises concrètement. On parlait de la burqa, en l'occurrence. Oui, voilà, par exemple, de la burqa. Mais ça, tout le monde le sait, des reportages ont été faits. Enfin, et là-dessus, le législateur ne fait rien, parce qu'en fait, il sait qu'il est impuissant. Je pense qu'en fait, dans l'état de droit, on a la réponse. C'est-à-dire que l'état de droit, c'est toujours l'état de droit des droits individuels, des minorités, de protection individuelle de telle ou telle personne. Mais on oublie, au fond, le droit objectif. C'est-à-dire, vous voyez, le droit de notre peuple à une certaine sûreté, à la protection de ses frontières. Ça, c'est pas des droits individuels. Dans l'état de droit, il y a toujours une dimension très individualiste. Ce que moi, je combats. Pour les partisans, pour les libéraux, justement, il y a toujours cette idée, sanctuariser, sacraliser liberté, les droits et libertés individuelles. Comme si ça allait profiter à tout le monde. C'est l'idée générale. Sauf qu'on voit qu'il y a autre chose que les droits individuels. Il y a des droits collectifs. Il y a des droits objectifs. Mais ici, par exemple, le droit à la sécurité. Oui, ça touche tout à fait une autre dimension que de droit individuel. Le droit aussi de notre peuple à rester ce qu'il est, ce qu'il a été pendant des centaines et des milliers d'années. Vous voyez? Et ça, en fait, ce n'est pas pris en compte par le logiciel de l'état de droit. Et donc, c'est vrai que plus l'état de droit prolifère, plus on évoque ce sujet, plus les droits individuels pullulent, si j'ose dire, plus les droits collectifs, plus le droit objectif s'affaisse. Tout ça tendant, selon la logique libérale classique, hein, moi je suis cohérent, à une atomisation de la société. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des zones, comme vous avez cité, qui sont des zones
non pas de non-droit, en réalité, mais des zones d'un autre droit, qui n'est pas notre droit. Et c'est ce vers quoi nous allons aboutir si nous n'arrêtons pas la machine politiquement. Quand on dit d'un autre droit, qu'est-ce que vous entendez par là? Bah, par exemple, d'un droit islamique, ou d'un droit des bandes, voilà, de droits de mœurs étrangers, étrangères, de coutumes étrangères, voilà, c'est... Mais pour répondre... Il n'y a jamais d'absence de droit. Mais justement, pour que nos téléspectateurs comprennent, il n'y a jamais d'absence de droit, tout à fait, il y a un autre droit qui est remplacé. Le seul moment où il n'y a plus de droit, c'est quand vous êtes seul sur une île déserte. C'est ce que je dis à mes étudiants. C'est le fameux Robinson. Bah, et encore que, parce que Robinson, avec Vendredi, justement, il y a quand même quelqu'un, mais... je sais pas si vous avez déjà lu Sa Majesté des Mouches. Oui. Bon, bah dans Sa Majesté des Mouches, au départ, ils essaient de fixer des règles. Les règles de droit, c'est quoi? C'est des normes comportementales qui disent voilà comment est-ce qu'il faut se comporter, voilà ce qu'il faut respecter. Ce sont les règles du jeu, en somme. Ces règles, elles s'appliquent dès l'instant qu'on est plus deux. Vous et moi, si on, je sais pas, demain, on est en colocation, bon, on va fixer des règles, hein, pour savoir à quelle heure vous revenez. Encore une fois, le droit, c'est pas simplement ce qui a été dicté. Le droit, c'est ce qui s'applique au commun. Dès l'instant que vous êtes plusieurs, il y a des règles que vous posez. Voilà. Et évidemment, si on est à l'échelle d'une société, donc à, parce que là, on a dit dans une colocation, mais c'est l'exemple pour faire comprendre qu'on pose des règles, et des règles dont on essaie de donner une force contraignante. Là, quand on est sur des villes, des quartiers entiers, oui, à ce moment-là, effectivement, on arrive à un niveau tel que on peut parler de droit, vraiment, d'un autre droit. Mais justement, pour conclure aussi là-dessus, pourquoi l'État est impuissant, in fine, dans ce quartier-là? Pourtant, il a la force répressive. Tout à l'heure, on parlait de la police. Il a quand même le bras armé qui est la police. Il a le législateur de son côté. Comment est-ce qu'il n'y arrive pas, in fine? J'ai vu que vous avez fait la moue sur le législateur de son côté. Le législateur de son côté, encore. La question, c'est la question de la volonté politique. Et la question du coût. Parce que, tenez bien que si demain, un gouvernement décidait de réprimer sérieusement les émeutes de banlieue, comme elles se sont déroulées, si demain on a des émeutes, ou même sans parler d'émeutes, si demain, parce qu'il faudra, je pense, l'armée, la gendarmerie, des renforts supplémentaires de police, vont dans les quartiers, un, pour trouver les personnes qui sont en situation irrégulière et les expulser, deux, saisir la drogue là où les policiers ne vont pas habituellement, vous aurez des émeutes. Qui dit émeute dit risque de... Ben, je vous laisse deviner, voilà, quoi. C'est même difficile à en parler. Enfin, c'est évident que si on est sur des émeutes et qu'on veut vraiment réprimer les émeutes, il va falloir à un moment effectivement tirer si vous avez des policiers dont on voit que la vie, elle peut être mise en danger, même ils peuvent perdre la vie. Est-ce qu'un politique est prêt à assumer ces choix-là pour rétablir l'ordre? C'est ça la question qui se pose. Et ça, un gouvernement jusqu'alors, enfin, jusqu'à présent, et je pense que là-dessus, les émeutes de 2005 ont vraiment été le traumatisme. Je ne vois pas, en tout cas, de gouvernement en place qui est prêt, ne fait pas dire ce que j'ai dit, pas prêt à tuer, mais qui est prêt à aller au rapport de force vis-à-vis de gens qui ne respectent pas nos lois, qui bafouent la loi. Voilà. Ça suppose de la volonté politique, ça suppose de prendre des risques. Et malheureusement, ça suppose des hommes, des femmes d'État, oserais-je dire, que nous n'avons pas aux responsabilités pour l'instant. Alors, il y a une autre dimension que j'aimerais apporter là-dessus, et j'aimerais que vous la commentiez. Il y a quelque temps, on a reçu Agnès Nodin, qui est une ancienne capitaine de police, qu'on ne peut pas diffuser pour l'instant parce qu'elle est en conflit avec sa hiérarchie et autres. Donc, pour l'instant, cette interview ne sera pas diffusée, mais prochainement, vous la verrez. Je peux déjà dévoiler le thème de la discussion, c'était la peur de la hiérarchie au sein de la police. C'est-à-dire qu'au sein de la police, l'administration policière fait en sorte que les policiers, parfois, ont peur de réagir, ont peur de tirer lorsqu'ils sont menacés, ont peur d'agir, parce que les conséquences sur eux seraient beaucoup plus désastreuses que plutôt que de laisser s'enfuir le malfrat. Ah ben, c'est certain. C'est-à-dire que pour le policier, c'est la double peine. On l'a vu avec... c'est ce qui est en train de sortir, d'ailleurs, pour les émeutes précédentes, pour les émeutes de Naël. On se rend compte que, finalement, ce policier, au stade où je parle, là, aujourd'hui, c'est pas un tueur, ce n'est pas un assassin, cet homme. Au moment où je parle, on regarde des éléments que j'ai. Et qu'est-ce qui s'est passé pourtant? Ben, cet homme, c'est la double peine. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire usage de votre arme... Et pour sa famille. Ben, pour sa famille, pour lui, pour sa carrière, et on voit qu'il n'est pas soutenu. Et c'est ça le drame. Mais pourquoi? Parce qu'on en revient. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut de la hiérarchie? Il faut monter un cran plus haut. Vous me disiez, c'est un capitaine de gendarmerie, c'est ça? Police. De police. Bon. Au-dessus du capitaine, il y a sans doute...
le commissaire. Bon. Et son commissaire, il prend ses ordres de qui ? Du préfet. Et au-dessus du préfet, il y a qui ? Il y a le ministre. Donc on en revient à la question de la trouille politique et du manque de courage que j'ai évoqué précédemment. Si les ministres ne soutiennent pas assez leurs policiers, malgré tous les coups de menton de Gérald Darmanin, c'est parce qu'ils savent très bien qu'à la fin, il y a le risque que leur démission soit mise dans la balance. D'où l'idée de dire pas de vague, parce qu'on sait très bien ce qui peut se passer demain si la police décide de vraiment se comporter comme elle devrait se comporter, notamment en cité, en banlieue, dans des villes entières, faut arrêter de parler quartiers, dans des villes entières en France, sur le territoire français. Enfin, ce sera un aller tous les jours, quoi. Enfin, ce sera un aller tous les jours. Je veux dire, ce sera des émeutes tous les jours. On va pas tuer tous les jours, mais il y aura toujours ces risques-là qui seront posés. Parce qu'en face, vous avez des gens qui ne respectent rien. Et qui savent très bien qu'ils vont être soutenus, en plus, derrière, par tout un système médiatique, par toute une partie du spectre politique situé à gauche, qui verra nécessairement ces gens-là, non pas comme des coupables, mais comme des victimes. Vous voyez? Donc, toute la difficulté, elle est là. Ce qui peut nous sauver, l'espoir que j'ai, c'est que demain, la majorité politique, évidemment, elle change, et qu'elle soit appuyée par un peuple français de plus en plus conscient, ça pour le coup c'est objectif, de ces réalités, que ce soit à travers de nouvelles chaînes d'information, que ce soit à travers de nouveaux canaux de diffusion. On sous-estime beaucoup, y compris pour les gens d'un certain âge, je l'ai vu notamment en campagne, combien, y compris les personnes âgées, s'informent par Facebook, par Twitter, par les réseaux sociaux, et pas juste parce qu'a publié le voisin, mais parce qu'il voit des médias en ligne qui sont repris, comme le vôtre. Et cela, effectivement, peut faire évoluer, comme on dit, l'opinion, dans le bon sens. Le jour où l'opinion aura évolué, et elle se matérialisera suffisamment politiquement, alors nous aurons, je pense, des politiques qui auront la responsabilité et le courage de prendre les décisions qui s'imposent, qui seront probablement des décisions dures, mais qui sont les seules qui, au fond, pourront sortir le pays de la situation de pourrissement généralisé que tout le monde voit et que tout le monde sait, y compris à gauche. Tout le monde sait très bien où est-ce qu'il y a des zones de non-droit. Vous savez, les gens de gauche que j'ai évoqués, ou les bien-pensants, les centristes, ils ont horreur des élections immondes. Ils savent très très bien ce qui se passe dans ces quartiers parce qu'ils n'y vivent pas. Alors même que le prix au mètre carré, il est très bas, ils pourraient y aller. Ils n'y vont pas, parce qu'ils savent très bien. Mais ils préfèrent acheter bonne conscience par leurs opinions, plutôt que de regarder les faits et la réalité. Voilà. Pierre Gentier, merci. Merci. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui nous regardent, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais vous êtes de moins en moins nombreux à vous abonner. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est très important pour notre référencement. Puis Pierre Gentier, merci encore et à très vite. Merci.